faut raconter une histoire. C'est parti. Ça part, ça part. Oh là là, les trucs qui me font faire. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Atroce. Le dessin est atroce. Qu'est-ce que je dessine mal? Oh non, merde. Bon, la prochaine session pour jouer avec vous, oui, grave, et toi, c'est un bus, ça, par contre. Oui, mais je suis... J'ai tenté quelque chose. Je suis très mauvais en dessin, c'est Célia, donc s'il te plaît. Oh, l'angoisse. Oh là là. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Max confusion, là. Allez tous vous faire foutre. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Ok. Ouais, non, si, ça va, c'est pas mal. On est concentrés, hein. Putain, ah, je te jure. J'ai jamais été aussi con. Ouais, attends, non, c'est abusé. Merde. On joue tous pour la gagne. Il y a tellement d'argent en jeu. Oh la vache, putain, mais quoi, allez ouf. Trop stylé. Trop bien. Comment je dessine ça, moi? Petite recherche Google, là, parce que je sais plus à quoi ça ressemble, ce truc. Google. Je suis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais juste dire, je suis brune, Croco. Ok. C'est bizarre parce que je t'appelle la blondasse. Oh. Bon, je sais, c'est pas la meilleure soupire que vous avez vue. Je suis au courant. Putain, on dirait pas être du tout une serpillère. Allez hop, ça part. J'ai tout donné. J'ai tout donné, mais c'est quand même de la merde, c'est marrant. Je suis plutôt content. Ouais. Ça ressemble à quoi, putain? Un truc comme ça, là? C'est pas du tout ça, bordel de merde. C'est pourri, c'est ça qu'on aime. On s'est imagé, hein. Faut pas tout prendre au premier degré. Ouais, pareil. Niveau de lecture, pareil. Quoi, comme. Plusieurs niveaux de lecture. Alors. Moi, c'est premier degré, il y a un niveau de lecture, tout le monde s'y retrouve. Allez, c'est parti. Ah, tu veux commencer par la fin aussi? Ouais, je pense que c'est mieux par la fin, ouais, c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Non, moi, j'aime bien voir. Ouais, vas-y. Ouais, je préfère voir comment ça. Un kangourou qui boursicote. Qui boursicote, déjà, je sais même pas ce que ça veut dire, mon pote. C'est ça, il joue. Qui joue en bourse, quoi? Ah, oui. Ah bah, j'ai pas compris. Ah, bah, on reste dans le thème de tout à l'heure. Hello, moi et re-moi. Ah, t'as mis. Genre en mode qui tricote? Putain, oui. Incroyable. Incroyable. Salut, j'espère que ça va bien. Par contre, l'écho, il est chaud. Ouais, pourquoi il y a de l'écho? C'est chez nous. Désolé, on va essayer de régler ça. Trop bien. Putain, adorable. Mais les gens sont des ouf, en fait. Un kangourou tricote ses chaussettes pour l'hiver. C'est trop ta voix, Audrey. C'est quoi, ça n'est pas, hein? C'est trop ta voix. Ah merde. Bah, désolé. On dirait une souris de plus. C'est Noël chez les kangourous box. J'adore. C'est quoi cette bestiole? Oui, bah c'est un Noël, ouais. Est un kangourou. C'est pas assez. Adorable. Oh, on dirait un poney un peu. Bah on dirait un cerf, quoi, en fait. Ouais, un renne. J'ai téléchargé tous les gifs et après je les posterai. Trop fort, Tipso. Y'a TN qui te dit que t'es trop fort, Tipso. Oh. L'album de Ypsoline. Un sandwich par terre, son marché en slip au kangourou. Encore le kangourou, c'était vraiment le thème. Qu'est-ce qui s'est passé? Thème kangourou. Putain, mais trop bien. J'adore. Genre les lunettes, le sandwich, c'est un daron. Ouais, mais est-ce que Maël a compris que c'était un sandwich, parce que... Ça devait être incompréhensible, je suis désolé, Maël. Un hot dog fait ses courses. Putain. C'est super beau. C'est vraiment très beau, bravo. Un hot dog va faire les courses dans un cadre champêtre. C'est quoi le cadre champêtre? Le cadre, ouais, vraiment.
Ça avait l'air d'être important, au final c'était pas ça. On a perdu ce qu'il faut, on a gagné ça. Attends, reviens de la boulangerie locale. Trop mimi. J'adore. En fait, on dirait que lui-même c'est du pain, mais c'est le seul. Oui. Un hot dog sort tranquille de la boulangerie. Eh, GG. Enfin, dis. Pourquoi il a des yeux de papier ? Franchement, genre, on est resté dans le thème. Ouais. En fait, ouais, non, ouais. GG, franchement. Adorable, ouais, je te jure. Non, franchement, là, c'était bien joué. Hein. C'était bien joué. Ok, l'album pourrait transformer ton sandwich hot dog. La plus grosse bulle de savon du monde. Comment tu fais une bulle de savon ? Enfin, comment t'arrives à genre faire en sorte que c'est. Eh ben, regarde-moi ça. Là, c'est pour ça que les gens ils parlaient d'opacité. Oui. Oh. C'est très bien. Une grosse bulle de chewing le matin, la terre, oh mon dieu. Ah, bulle, putain, j'avais. Ça, oui, c'est un chewing-gum dégueulasse, quoi. Vous avez de la place. Faudrait qu'on t'invite sur le serveur, ça paraît un peu compliqué. Là. Une serpillière. Serpillière extraordinaire. Du papier toilette à l'huile attaque la terre. Je savais que ça ressemblait pas à une serpillière, je suis désolé. Je suis en train de comprendre où ça va. Un toboggan qui tire des lasers. C'était très beau aussi. On voit pas qu'il attaque la terre. Incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Très effort. Il attaque le ciel. Ok. L'album de Shower. Déguster un street food de grand luxe. Un street food. Oui. Il est tout petit. Franchement, Noan, impressionnant. Okay. Eh, pour mon niveau, je pense que. Un truc de burger, petit homme. Artificiel. Grave. Après, je pourrais voir quoi, si je peux t'inviter sur le serveur, mais pour le coup, personne ne te connaît à part moi. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Le mec passe commande à un food truc de burger. Food truc. Food truc. Wow. Super le camion. Ouais, de ouf. Un homme bien heureux achète. Bien heureux. Bien heureux. Un homme qui ne vit pas le confinement. Il est tout écrasé, le burger, je l'ai pas super bien réussi. Bah, en fait, c'est surtout que j'avoue la phrase de Rodrigue. C'est devenu un Mac Croc. MC Cro. Bientôt le Mac Baguette. Putain, pourquoi il y a joueur du grenier là ? Attends, j'ai à peine eu le bon. Ah non, je regarde Disney. Wow. Apéro. Un okay. Métallo fait l'apéro en m'attend un dessin animé. Pourquoi j'ai mis métallo, je sais même pas. Métallo. Putain, mais Naruto, mais meuf. Naruto. Ouais. Petite soirée posée à regarder Naruto à la télé. J'avoue qu'on a perdu le métalleux. Oh putain, je vois où ça va. Ok, je vois où ça va. Twitter là. J'avais pas compris ce que c'était, mais maintenant je comprends avec le contexte. On regarde les Power Rangers. Ah, je comprends. Franchement, je comprends. Wow. Non, mais très très bien. Les gens ragent devant la série Power Rangers. Aurélie qui se défend Power Rangers. Première c'est fan. Voilà. C'est incroyable. Ils sont trop bien, ces bonhommes. D'ailleurs, j'ai jamais vu. Franchement, c'est vraiment une version bootleg de ton dessin, mais ok. Fais attention à ce que tu dis, je t'entends dire Dorian, je suis pas sûr que ça va passer plusieurs fois ça. Ah ouais. C'est Dorian. Ça passe une okay. fois, voilà. Ok. Un panda sous une cascade.
Oh là là. Trop beau. Il est trop mimi. Mais pourquoi il y avait trois couches de peinture par contre? Il est un peu cœur. Oui. En fait, il était mimi au début, il y a eu une couche de peinture en plus. Ouais. Oui, parce que je voulais inverser les couleurs et que tu n'es plus la couleur d'un panda. Bref, c'était compliqué quoi. Un panda qui prend une douche. Ah, c'est pas si mal. Oh, c'est parti en. Ok, j'ai tout donné. Oh, voilà. Non, je suis désolé, wow. Désolé pour ce que je vais faire. Un panda dépressif prend sa douche. Ah. Parce que. Le A de. Oh là là. Un panda en dépression qui prend sa douche. Moi j'ai retranscrit toutes les infos. C'était trop bien. Oui, trop bien. Ah, c'est dur. Pépère. Pépère, oui. Un panda dépressif. Pan de pressif. Je suis fan du parpanteau. Et je l'ai fait tout petit. J'ai commencé par faire des oreilles trop petites et après j'étais parti, c'était mort. Trois ronds et c'est plié. Bah c'était mon dernier dessin, j'étais en mode bon, attends, allez, oh, ça va. Allez, ce le Bigfoot, découvert en forêt, mangeant une glace. Je te déteste. Moi je vois où ça va du coup, évidemment. Il est dégueulasse mon Bigfoot. Non, il est flou, donc ça marche très bien. Oui, voilà, il... Un homme filmant direct Bigfoot à Los Angeles. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Los Angeles. Ah, ça. Ah, okay, je vois où ça va. Okay. En fait, j'ai mis trop de temps à faire des immeubles. Bah, c'est le Chicago Mothman, en fait. C'est ni Bigfoot ni. Mais c'est aussi. Oui, c'est ça, on est dans un monde de mythes. L'insecte géant détruit la ville. Oh non. Waouh. Los Angeles a fait ça. Oui. Godzika. Godzika. Ah ouais, pourquoi Godzika? Wow. Très joli. Et tout se finit bien, vraiment. Oui, et tout se finit bien. Bravo. Ça a commencé plutôt doucement et puis c'est grand. Ouais. La discussion, quoi. GG, je pup. Bravo, je pup. Il mangeait une glace. Il mangeait une glace et ensuite. Là, je t'entends plus. Là, tu t'en la connais. Je sais pas si t'as répondu, mais je t'entends plus. Moi, tu m'entends plus là. Là, c'est bon. Ok. Un jambon mange une tomate. Oh, il est stylé. Waouh. Il se régale. Hein. Dire que moi, j'aurais juste fait une tranche de jambon. C'est juste trop beau. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Ça me touche. Oh, trop mignon. Oh merde, je me suis trompé de viande. Une cuisse de poulet. Vous allez voir que ça se passe très mal après. Elles sont trop mignonnes, les tomates, on dirait des petits. Mais trop mignon. Mais oui, vous dessinez trop bien, c'est un truc de ouf. Un pilon mangeur de tomates serait. Je suis désolé d'avoir la un pilon. Oh non, tu aurais dû préciser des poulets. Oh, aïe aïe aïe. Je crève, mais ça. Grosse tonneur. Une carotte qui vomit des tomates. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Attendez, mais ça, elle est magnifique. Oui, par contre, tous les dessins sont incroyables. C'est... Mais alors, les premiers sont vraiment fous. Une soupe avec des chaussettes en crouton. Ah ouais, là. En quoi ça consiste? Oui, explique-nous. Ah non, c'était pas ça. T'inquiète, je crois qu'après ça a pris un bon temps. Une soupe d'épinards et croutons en chaussettes. Ah bah voilà, je pense que c'est mieux. Ouais, ça va. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Miam, miam, putain. Une très bonne soupe avec accompagnement chaussures. C'est vrai qu'elle est très bonne.
Bah comme il avait marqué Miam, ça avait l'air bon. Il est incroyable ce dessin. C'est incroyable. Une soupe de bottes qui puent. Qui puent. Oh non. Ah bon, alors je tiens à dire, j'ai mal aux abdos, je rigole trop. C'est trop bien ton dessin de grosse soupière, Cara. Merci. Petit reflet et tout, on y est là. Avec les flammes et tout dans le détail. Ouais, c'est propre quand même, c'est propre. Ouais, franchement. C'est le mot. Bon, à la base, c'est, la soupe devait avoir des chaussettes. Finalement, la soupe était aux chaussettes. Bon, voilà. En même temps, ça veut rien dire, une soupe avec des chaussettes. Oui, parce que ce qu'on a fait avant, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est oui, très... voilà. Ouais. Ça c'est vraiment le seul moment de la soirée. Ça... Il était une fois un serveur au temps du Covid. Il était une fois. Il était une fois. J'ai raconté une histoire et je pensais que vous aviez ajouté des trucs derrière. Quoi? Il sert des bouts. Putain. Un serveur masqué débarrasse la table. Putain, hein, pas si mal. Attends, pas si mal. J'aurais pas mis ça. Hein. Ah. Oh putain, je vois où ça va. Alors ouais. Oh merde. Oh merde. Une tortue ninja se retrouve. J'ai toujours aimé. Waouh, ouais, pas mal, pas mal. Non, j'adore ça, c'est vraiment beau. À toi, c'est incroyable. Une tortue ninja fait des petits pois carottes. Oh, Dorian et les tortues, une histoire d'amour. Il aime pas ça, il aime pas ça. J'apprends. Raphaël, il a une maîtrise de la tortue. Oh, écoute. Leonardo, des tortues ninja mangent des petits pois carottes. C'est que dalle pour moi. C'était le bon tortue ninja. Oui, tu sais que je me suis vraiment demandé. C'est pas Raphaël le tuer avec le bandeau. C'est totalement possible. Mais... C'est Raphaël avec le bandeau. Ouais, bah voilà, donc c'est pas du tout le bon. C'est pas Leonardo. Quelle couleur c'est violet, non? Oui, c'est ça, c'est violet, je crois. Il a le bleu. Voilà. Effectivement. Et là, c'est bon. Bravo à tous. Bravo, très stylé, très stylé. Mais j'avais la flemme de dessiner une main avec une fourchette et de dire que vous allez me faire chier.